Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous chaque jeudi soir en direct sur 01net TV. C'est 01 Live Hebdo, ravi de vous retrouver. On va ensemble pendant une demi-heure débriefer l'actualité de la semaine avec un lieu un peu particulier, Jérôme, bonsoir, bonsoir pour ce jeudi soir. Et oui, merci d'être avec nous chaque jeudi soir en direct sur 01net TV. C'est 01 Live Hebdo, ravi de vous retrouver. On va ensemble pendant une demi-heure débriefer l'actualité de la semaine avec un lieu un peu particulier. En fait, ça s'appelle le prix Startup Fnac Intel qui vient de récompenser trois innovations françaises, mesdames et messieurs. C'est bien, Cocorico. Avec de la musique et du sport. Ouais. Hein. Donc on aura une partie 01 Live Hebdo dédiée à ce prix Fnac. Et puis juste après, on ira du côté du labo 01net avec Jean-Sébastien Zanqui qui nous rejoindra. Et on parlera avec lui de la marque Xiaomi, hein, marque chinoise qui est en train de cartonner avec un nouveau smartphone, mais aussi un drone qui filme en 4K. Et il aura aussi un petit système, on rejoindra le son tout à l'heure, avec un casque qui permet d'avoir un son en 3D grâce formidable à un petit capteur qu'on rajoute sur n'importe quel casque. Alors reste avec nous, même si on a une petite demi-heure de décalage, hein, exceptionnellement ce soir 19h au lieu de 18h, mais c'est pas plus mal. Vous êtes sûrement très nombreux à nous regarder. On le rappelle, vous pouvez interagir sur Twitter, hashtag 01live. Et puis, on commence peut-être par la question 01net Orange. Oui, hein. Voilà, on y va tout de suite avec une question liée justement aux startups. Hein. Oui, mais une question un peu comme ça, poil à gratter, on va dire. Faites-vous confiance aux startups en matière d'innovation ? C'est vrai que les startups, on la cote en ce moment, mais est-ce que finalement, elles sont les mieux placées pour inventer de nouveaux produits ou est-ce que ce sont au contraire les grosses boîtes bien installées ? Eh bien, dites-le nous, vous allez sur www.01ettv.com et vous votez oui ou non, on fera le point tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a... J'ai dit un peu de bullshit quand même parfois dans les startups. Hein, c'est vrai que parfois il y a pas les nôtres. Non, pas ceux non. Nous c'est pas, c'est anti bullshit. Nous on a la crème. Nous on a la crème des crèmes. Mais ouais, c'est vrai que parfois on a rencontré des concepts, Jérôme, qui laissent un peu à réfléchir, ouais, et qui n'arrivent jamais véritablement jusqu'au bout, ouais, qui n'aboutissent pas. Il y en a, hein, qu'on a toujours pas compris d'ailleurs. Donc allez-y. La question 01net Orange vous attend sur www.01net.com et puis le hashtag 01live. Nous sommes en direct ce soir, bien sûr. Vous pourrez réagir sur Twitter, poser vos questions à nos invités ou pourquoi pas réagir sur l'actualité. Hashtag 01live. François. Oui, Jérôme. Est-ce que... Ça fait peur quand tu dis François comme ça. Oui, non, mais je veux que tu sois impliqué parce que je vais te dire. Tu as, comme tout le monde, une, deux, peut-être plus petites enceintes connectées à la maison. C'est vrai. Parce que c'est indispensable aujourd'hui. Mais est-ce que tu as remarqué que parfois, d'une part, ça manque un peu de coffre, ça manque un peu d'épaisseur, ça manque un peu de basse. Même s'il y a de gros progrès qui ont été faits par les petites enceintes. Ça s'est pas mal amélioré. Et puis en plus, ce qui peut être sympa, c'est quand on en a plusieurs, de les mettre toutes ensemble pour, par exemple, faire une soirée, etc. Exactement. Elle est bien mon idée, hein. Ouais. Double idée, vous avez compris ? Bon. Oui. Mais c'est pas moi qui l'ai Mais eu. Mais ça existe déjà, c'est pas le multi-room ton truc ? C'est plus compliqué que ça. Ah, voilà. Bon. Alors il faut des explications, je crois. Exactement. Bon. Donc on reçoit nos trois invités, et juste avant de parler de cette enceinte magique, oui. Grégoire Lano, qu'on retrouvera tout à l'heure pour nous parler, lui, d'un GPS pour vélo. Tu t'en sors avec les noms des invités, je me suis complètement mêlé. Non, parce que attends, je t'explique. En plus, c'est pas nouveau. Non. Ça t'arrive quand même de temps en temps. Parce qu'il y en avait 10 là tout à l'heure. Et oui, il y en avait 10. Alors, moi, je faisais partie du jury. Oui. Voilà. C'est un partenariat, France Info, etc. Je faisais partie du jury, je suis très honoré. Oui. On a voté. Et puis là, on a les trois gagnants. D'accord. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Non, dans les noms, mais tu sais quoi, personne ne s'en est rendu compte. Sincèrement, c'est pas grave. Donc, on a un GPS pour vélo. Voilà. On a aussi, on reste dans le sport, un brassard qui intègre des capteurs. Pour le running, pour la course à pied. Dans lequel tu peux mettre ton iPhone. Ouais. Enfin, ton iPhone, ou ton, je veux dire iPhone, pas qu'iPhone, smartphone d'une manière générale. Et puis, on a cette fameuse enceinte. Hein ? Donc, avec nous, Vincent Nalatambi. On va commencer par vous. Allez. Bah, avec plaisir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Et vous pouvez nous la montrer, cette enceinte là. Ah, je peux vous montrer le prototype de l'enceinte. Alors, ce n'est pas encore le produit final. Alors, je crois que vous avez raison de bien préciser que c'est un prototype. Parce que regardez ça, si c'est pas mignon, c'est une enceinte en bois. C'est un bricolage en bois qu'on a chez nous. Et pour la petite histoire, c'est un tiroir en fait qu'on a découpé et qu'on a réutilisé pour faire l'enceinte. J'adore le petit bouton. Oui, qui est vraiment vintage. Il fallait montrer si l'enceinte est allumée ou pas. Donc là, on a compris, c'est pas le produit définitif. C'est pas le produit Vincent. Définitif. Quoique ça pourrait être sympa. Hein. Ça peut être un concept. Ça peut être vintage. On veut garder une petite touche vintage pour notre produit. C'est quelque chose qui nous paraît sympa à regarder. Alors, j'en veux pas, Jérôme, mais j'ai rien compris tout à l'heure à ce qu'il m'a expliqué. Est-ce que, Vincent, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez imaginé et ce qui a été récompensé d'ailleurs ce soir ? Alors en fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a constaté, c'est que sur le marché des enceintes Bluetooth, il y avait une énorme fragmentation
énormément de marques, énormément d'enceintes qui étaient des enceintes différentes, de modèles différents, et qu'aujourd'hui, il y a une impossibilité technique à en connecter et à en relier plusieurs entre elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si moi je pars en week-end avec une dizaine d'amis et qu'on a une JBL, une Jobone, une Parrot, une Bose, en fait, on va être incapable d'envoyer de la musique sur les quatre enceintes en même temps. On est d'accord. Et on va devoir simplement choisir quelle va être la meilleure enceinte des quatre. Et généralement, ça se joue à la marque. Non, mais moi, je préfère la Bose, etc. Donc, on va prendre la Bose. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut créer... Bose, c'était un peu de pub. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait créer une enceinte, en fait, qui puisse établir un pont et une connexion avec toutes les autres pour pouvoir recréer un sound system avec les enceintes, soit celles qu'on a déjà, soit celle de ses amis, soit celle de ses colocs, soit celle de sa famille, etc. Et l'idée, c'est que plus on a d'enceintes, forcément, plus le son est incroyable. Donc, j'ai un smartphone avec Spotify, Deezer, la musique, on s'en fout. Ouais. Je le connecte à votre boîte, exactement, qui elle-même va se charger de dispatcher la musique en temps réel sur toutes les enceintes. Tu vois que tu as compris. Bah, tu vois, exactement, oui. Ça. Mmh. Ouais, c'est fait. Mais c'est parce qu'il explique bien. Ouais, tu vois. Vrai, voilà. Et l'autre particularité, c'est qu'en fait, on se positionne non pas seulement comme une enceinte, mais comme un caisson de basse Bluetooth qui, du coup, travaille énormément sur les basses fréquences et peut être complémentaire à toutes les autres enceintes qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc on va avoir plus de basses. Exactement. Donc pour faire la fête, c'est mieux. Exactement. Alors, d'accord, ce qu'il faut dire, et ce qui explique notamment que vous fassiez partie des lauréats, c'est qu'il y a quand même pas mal de techno derrière ça. Oui, hein, tout à fait. Parce qu'on pourrait se dire, bon, une enceinte connectée de plus, ça va, il y en a déjà 10 000 sur le marché, ça va être en plus difficile de se démarquer. Mais en plus, vous avez déposé des brevets, il y a un vrai savoir-faire. Ouais. En fait, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est déjà établir la connexion entre les différentes enceintes. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas faisable, n'est pas si facile à faire techniquement. La deuxième difficulté, c'est de réussir à envoyer du son de manière synchronisée sur toutes les enceintes. Là, c'est des algorithmes assez complexes, oui, qui permettent de synchroniser les enceintes. La troisième difficulté, c'est en fait de gérer les flux qui sont envoyés à chacune des enceintes pour pouvoir faire de la musique qui soit pas seulement une addition des différentes musiques, mais pour pouvoir avoir un son agréable en prenant en compte toutes les caractéristiques de chaque enceinte. Et oui, et puis éviter les problèmes de latence. Il ne faut pas qu'il y ait un écho monstrueux dans exactement toutes les pièces. On peut brancher jusqu'à combien d'enceintes? Aujourd'hui, avec notre prototype, c'est jusqu'à une dizaine d'enceintes. Après, on a une limite théorique qui est plus grosse. Donc, on va voir. Déjà 10 enceintes, c'est pas mal. Déjà 10 enceintes, c'est pas mal. On peut faire un peu la fête quand même. Ça sort quand et à quel prix, Vincent? Alors, le prix. Là, on y va direct. Hein. Ouais, voilà. J'espère que vous avez fait déjà votre business plan. Alors, on est sur un prototype aujourd'hui. On est en train de travailler sur un produit. Donc, pour passer vraiment d'un prototype qui est un prototype fonctionnel, un prototype industrialisable. L'objectif, c'est de le lancer des précommandes sur une campagne de crowdfunding en septembre, pour une livraison qui serait à Noël. Bravo. Voilà. Eh bien voilà, très bonne idée, sympa. Ah, franchement, ça donne envie de se l'offrir, ce système-là. Bon, un autre design peut-être. Mais... Oui, bon, peut-être voilà un autre design. Mais déjà, là, c'est le concept qui est intéressant, c'est cool. Absolument. Même si le Bluetooth évolue, hein, on sait que, par exemple, je sais que JBL a mis au point un système de casque, de pont de casque. C'est-à-dire, oui, on peut connecter un casque à un smartphone et le deuxième casque se connecte, en fait, enfin, au premier casque. Exactement. Et effectivement, ça fait comme une chaîne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces marques-là, comme Bose ou JBL ou Logitech, travaillent que sur des réseaux fermés. D'accord. Là où nous, en fait, on casse les réseaux et on se positionne ça de manière agnostique. Et nous, on peut se connecter en même temps au réseau JBL, Bose et Logitech. Très bien. Hashtag 01Live, qu'est-ce que vous en pensez de ce concept qui s'appelle Tempo? Dites-nous. Hashtag 01Live sur Twitter, on vous attend. Deuxième gagnant, Jérôme. Oui, bah on va parler de vélo. Ah, donc, ça, c'est bien. On va parler bonjour de vélo. Bonjour, Grégoire Lanneau. Exactement. Et alors, vous avez mis au point un petit produit qui... qui est là. Qui est donc pour les cyclistes. Et en fait, pour faire simple, c'est un GPS, quoi. Pour faire simple, c'est un GPS. En fait, surtout, ça vous donne accès au GPS de votre smartphone. En fait, pourquoi récupérer les gens d'un deuxième GPS? L'information, elle est dans le smartphone. Il est connecté à Internet. Il a accès aux API dont on a besoin. Et nous, on avait, un peu un cahier des charges dans notre idée. C'était de dire, plutôt les cyclistes urbains, de garder un prix d'accessoire de vélo, c'est-à-dire en dessous de 100 euros, et de s'intégrer le mieux possible dans le quotidien des cyclistes. Notre réponse, c'est haïku. Haïku, ce sont ces petits poèmes japonais en trois vers. Et nous, on a trois fonctionnalités. Et on a cette même volonté d'être dans la simplicité d'usage. Donc, quand vous allez le clipper, il s'allume automatiquement. Si vous avez lancé une navigation dans notre application, vous allez la retrouver. Alors là, je peux allumer celui-là. C'est avec une démonstration. Je ne sais pas vers où il faut le montrer. On a des images, regarde. On a même une vidéo magnifique que formidable vous avez faite. Hein, exactement. Donc, c'est de récupérer ces informations. C'est aussi de pouvoir afficher les messages. Mais on a un vrai problème de sécurité. Nous, on est tous cyclistes dans l'équipe. On veut soigner cette sécurité. Et là-dessus, notre réponse, c'est que c'est la personne qui garde le contrôle sur ce qu'elle fait. Et ça change un peu des choses où c'est de la push notification. Nous, on fait de la pull
finalement. C'est moi qui vais chercher l'information, juste en passant la main, et on a un petit capteur infrarouge comme ça qui permet de tirer l'information à soi. Donc en passant la main dessus. En passant la main dessus, c'est du contrôle sans contact, pour l'instant très basique, qui fonctionne avec des gants, qui fonctionne sous la pluie. Mais qui en matière de sécurité est plutôt rassurant. Quoi. On n'est pas obligé de tripoter quand on fait du vélo. Exactement. Voilà, on passe le bras. Tous les paramétrages, le choix du trajet et ce genre de choses se font sur le smartphone directement. Donc voilà, un objet qui déporte les informations avant de partir. Parce que finalement, est-ce que ce serait pas plus simple de fixer le smartphone sur le vélo ? C'est une vraie question. Avec du scotch et tout ça, c'est pas terrible. Non, mais il y a des supports. Oui, il y a des supports. Il y a de beaux supports. Ça expose le smartphone déjà à la pluie. Donc il faut avoir une coque spéciale ou un smartphone étanche. Puis les smartphones sont de plus en plus gros. Avoir un écran de 5 pouces sur son guidon, quelque part, ça dénature le vélo. Et nous, on fait très attention à ça. On est cycliste avec un côté un petit peu comme ça, peut-être utopiste. Mais l'important, c'est le produit, il est quasiment éteint quand il est sur mon guidon. Et c'est moi qui ai juste à passer la main pour récupérer l'information. Donc voilà, on s'intègre beaucoup mieux qu'un smartphone sur un guidon. Et surtout, on ne met pas votre smartphone à risque en cas de chute. Donc moins de 100 euros, c'est l'objectif. Ouais. Et l'autonomie ? Alors, on est sur 10-12 heures d'autonomie. Donc, à raison de 2 heures par jour, on tient une semaine. Et puis, c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure en améliorant le software. On est en cours d'industrialisation, puisque nous, on a réalisé notre campagne Kickstarter avec 1000 supports. C'est toujours en précommande, d'ailleurs. Notre site web, c'est www.haiku.bike. Alors, Haiku, voilà. Ça s'écrit comment ? H-A-I-K-U. H-A-I-K-U, d'accord. Comme les petits poèmes japonais. Si j'ai pas mon smartphone, ça sert à rien ? Ça sert à rien. D'accord. Si votre smartphone n'a plus de batterie, ça sert à rien. C'est un peu comme on rejoint la musique, c'est un peu comme un casque de musique. Nous, on est l'interface de votre smartphone. C'est un accessoire du smartphone. Quand vous êtes à deux roues. Oui. Et on est un accessoire de vélo, un accessoire de smartphone. On ne parle pas de smart bike. On est juste un accessoire de vélo du 21e siècle. Bon, Jérôme, je suis rassuré parce qu'avec 10-12 heures d'autonomie, tu peux monter tranquillement, tu peux te faire le Mont Ventoux avec, sans souci. Moi, 10-12 heures, bon, il n'y a pas de problème. Je vais chez toi, c'est tout. Bravo, ben on va suivre ça de près, déjà en crowdfunding donc. Très bien, c'est toujours en crowdfunding et puis... Ce prix qui est Startup Fnac, quel est le produit le plus bête auquel on aurait pu penser ? En fait, c'est un brassard, mais un brassard intelligent, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc nous, on a développé, on s'adresse aux coureurs qui courent avec leur smartphone pour écouter de la musique ou pour utiliser des applications de running. Et donc on a décidé en fait de partir du brassard qui fait partie intégrante de l'équipement des coureurs. Et d'intégrer en fait un capteur cardiaque dans ce brassard pour venir simplifier l'équipement du coureur afin qu'il n'ait plus de capteur cardiaque à porter autour du thorax ou même de capteur cardiaque. C'est pas très agréable. Voilà. Ouais. Donc l'idée voilà, c'est de rassembler toute la technologie et tout l'équipement en un seul équipement. Donc deux dans usages. Le brassard. Voilà, en fait. D'un côté, je porte le smartphone parce que tout le monde court avec son smartphone. Et de l'autre côté, j'ai la captation cardiaque. Il est un peu gros votre capteur. Il justement, être miniaturisé, on a alors le capteur là, c'est le holder. L'idée c'est de faire un capteur qui soit le plus autonome possible, qui permette de faire un marathon, qui permette de faire 3 courses dans une semaine. Mmh. Et donc on a vraiment privilégié ça sur notre produit. Et puis c'est pas dérangeant de toute façon parce que c'est un capteur qui est très léger et qu'on porte sur le bras, c'est pas comme si on le portait au poignet. Et il n'y a qu'un capteur cardiaque dans ce petit appareil. C'est un produit qui est... Il n'y a pas d'accéléromètre ou de choses comme ça. Le téléphone en fait fait tout, pratiquement tout ce que fait une montre de running. Oui. On est juste venu greffer un capteur cardiaque dans le brassard de running pour faire un brassard de running connecté. Et avec ça vous avez les mêmes fonctionnalités qu'une montre de running Garmin, TomTom, mais pour 5 fois moins cher. Ouais, ah oui, parce que si j'ai déjà une montre connectée, finalement, j'ai pas besoin de ça. On s'adresse pas aux... On a une question sur la bête concrète. Le week-end, donc tu vas pouvoir tester. Absolument, non, je trouve ça bien. Assez malin. Ouais. Juste une question pratique. On serait très heureux de vous le faire tester en avant-première si vous êtes à Paris. Oui, volontiers. Est-ce que tous les smartphones vont rentrer ? Parce que mine de rien, c'est quand même assez élastique pour pouvoir rentrer un smartphone de 5 pouces. On voit qu'aujourd'hui, il y a des phablettes qui font 6 pouces, etc. C'est tout bête comme question, mais... C'est une question qui va se poser au moment de l'industrialisation. On va avoir deux modèles. Un modèle en taille M pour les téléphones de taille médiane. Ah oui. Et un modèle un peu plus grand pour les... XL, voilà, L pour les gros smartphones. Et en fait, la pochette est un petit peu élastique. Comme ça, on pourra s'adapter. Enfin, on a prévu de pouvoir contenir la totalité des smartphones, en fait. Merci beaucoup à tous les trois. Et on souhaite bon vent donc à ces trois startups qui ont été récompensées ce soir. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Déjà, j'ai entendu dire que pour le gagnant, il y avait un voyage à Las Vegas. Il y a trois gagnants, en fait. Il y a trois gagnants, vous avez trois mêmes prix ou... Trois contrats de distribution avec la FNAC. Et on a la chance... Bon, alors la FNAC, c'est un petit magasin, ça n'a pas trop marché, c'est ça le problème. C'est vrai qu'ils ont 2-3 points de vente, voilà, c'est pas terrible. Ça. Quoi. Franchement, c'est pas terrible. Quoi. Non, c'est chouette la FNAC quand même. Donc la FNAC s'engage à commercialiser vos produits ? Tout à fait. Cool, d'accord. On rentrera en négociation avec eux et on aura...
On aura les bases de négociation, les bonnes bases de négociation avec eux. Et c'est aussi avec Intel. On a aussi avec Intel la possibilité de continuer de la R&D qu'on avait pu commencer au début. Vous êtes en contact avec les ingénieurs d'Intel qui vous aident à développer les produits, c'est ça ? Qui s'y connaissent un petit peu aussi quand même, je pense. Franchement, c'est un très bon accès, en fait, ce type de concours, c'est un très bon accès à ce type d'entreprise. Bah super, on a un commentaire là qui nous dit, c'est Caribou qui nous dit, ça fait plaisir de voir des jeunes qui innovent, l'avenir du pays est là. Point de suspension avant qu'ils partent à l'étranger. Française, français. Vous allez partir à l'étranger. Tout va bien. Vous, vous en revenez. Vous avez fait, vous nous, on fabrique avec des Français. Ouais. Bon, restez là, en tout cas, pour l'instant. En tout cas, s'il vous plaît, ne faites pas grève. Voilà, je vous en prie. S'il vous plaît. Voilà. Mais cela dit, c'est pas le but. Hein. Ils ne vont pas faire grève maintenant, alors qu'ils n'ont pas encore sorti leurs produits. Peut-être plus tard, mais bon. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. La question Zéro1Net Orange du jour. Oui. Justement, ces startups qui sont là, est-ce que vous leur faites confiance en matière d'innovation ? Sous-entendu, plus qu'à des grands groupes, eh bien regardez, oui, à 76%, les startups incarnent vraiment la nouveauté, l'innovation et les bonnes idées en matière de high-tech. Et c'est vrai, et c'est pour cela qu'on en parle de plus en plus souvent sur Zéro1Net TV, parce qu'on est vraiment à la fois bluffé par l'imagination de tous ces jeunes entrepreneurs. C'est vrai que pour la plupart, ils sont jeunes. Et puis surtout parce que c'est la France de demain. Et c'est vraiment important. Et notre avis, c'est aussi notre mission de vous faire découvrir toutes ces startups. Tout à fait. Bon, on revient dans un instant. Alors lui, ce n'est pas un start-upper, mais franchement, en termes de produits high-tech, il s'y connaît un peu quand même. Il touche sa bille, oui. On va direction le labo avec Jean-Sébastien Zanqui qui nous rejoint sur ce plateau. Et puis Jérôme, au passage, on remercie la BPI de nous accueillir dans ce lieu très sympa. En plein cœur de Paris. Pour faire ce live. Voilà, on n'est pas très loin des grands magasins, donc après on pourra faire les courses. Non. C'est ça qui est pratique. Non. Non, on n'ira pas. C'est non. Jean-Sébastien Zanqui est là. Salut Jean-Sébastien. Salut à vous deux. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Merci d'avoir rejoint le plateau délocalisé de Zéro Live Hebdo. Il représente le labo, bien sûr. Alors, trois produits qu'on va découvrir avec Xiaomi. Oui. Qui fait un carton là en ce moment. Hein. Il y a pas mal de choses sympas chez Xiaomi. Il y a une grosse actu là d'ailleurs autour de la marque, puisque on a testé déjà au labo un smartphone de Xiaomi qui est le Mi 5, qui était très attendu, puisque en fait c'est un modèle qui a ce fameux processeur Snapdragon 820 qui est ce haut de gamme de Qualcomm qu'il y a dans beaucoup de téléphones. On suit ça de près parce que c'est vraiment un modèle emblématique. Et alors ce Snapdragon 820 est toujours sur les smartphones très haut de gamme qui coûtent 600, 700, 800 euros. C'est celui par exemple qui est dans le LG G5 ou le HTC 10. Pas Galaxy A7. Pas le Galaxy A7 qui a son propre processeur, puisque Samsung fait ses processeurs Exynos. Ouais. Il y a le Snapdragon 820 dans le modèle américain. C'est pour ça, voilà. Il y avait le Galaxy A7. C'est comme les crêpes. C'est bon quand on fait soi-même sa pâte à crêpes. C'est ça. Exactement. Et Samsung, ils aiment bien faire leur propre pâte à crêpes, souvent. OK. Et donc, le 820 arrive sur un téléphone qui est là moins cher. Qui est beaucoup moins cher, parce qu'au lieu de payer un téléphone 700 ou 800 euros, ce modèle est à 400 euros. Donc, moitié prix. Ah ouais. Avec pourtant des belles prestations, puisque c'est un écran de 5,15 pouces. Il est vraiment très, très joli. Alors effectivement, ce n'est pas un écran AMOLED qu'on peut, on peut avoir sur les grandes marques haut de gamme comme chez LG. Donc c'est toujours du LCD traditionnel. Voilà, quoi. C'est du LCD IPS traditionnel. Ouais. Avec une résolution là aussi Full HD, donc ce n'est pas une résolution QHD comme il peut y avoir sur les modèles de gamme. Mais bon, parfois on peut se dire que c'est un peu du gadget, c'est quand même. De, voilà, et voilà. En fait, c'est même très malin de la part de Xiaomi d'avoir fait ce choix, puisque leur processeur Snapdragon 820, il est beaucoup moins cadencé, c'est-à-dire qu'il est à 1,8 GHz au lieu de 2,2 GHz à la concurrence. Oui, parce qu'il n'est pas obligé de gérer un écran en Quad HD. Exactement. Ah, et voilà. Il va moins vite, il consomme moins, il chauffe moins. Et voilà. Et donc effectivement, ça se retrouve dans les autonomies où effectivement, là, il dépasse le G5 ou le HTC 10 de 1h20, 1h40 selon le modèle. Ouais. Donc on arrive à 8h40 d'autonomie avec ce modèle-là, tandis que les autres tournent autour plutôt de 7h. C'est marrant parce qu'on touche du doigt finalement l'intérêt de la puissance d'un processeur sur un smartphone. Exactement. Là, ils ont vraiment trouvé un équilibre qui est intéressant avec cette astuce-là. Et en plus, en termes de performance, ça ne le pénalise pas du tout, puisque quand on joue des jeux 3D hyper gourmands, on atteint des 59 images par seconde, ce qui est le score du Galaxy S7 par exemple. D'accord. Donc de ce côté-là, c'est très malin de la part de Xiaomi, un modèle deux fois moins cher, avec des performances presque équivalentes. Capteur d'empreinte, tout ça. Capteur d'empreinte digitale. Appareil photo. Appareil photo. Qu'est-ce que ça donne ? Un petit peu moins bon, effectivement, que les modèles haut de gamme, mais sur les scènes en haute luminosité, par exemple, c'est vraiment nickel. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et c'est un modèle qui est disponible
en revanche qu'en importation, puisque Xiaomi n'est pas disponible. Oui, il n'a pas de distributeur en France. Et attention, du donc coup, en si importation, vous êtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire si que ça se trouve sur des sites d'importation. En chinois. Non, c'est des sites français. Et d'ailleurs, les ROM sont adaptés vraiment en français, avec des bonnes traductions. Il y a des équipes, des forums de passionnés qui font ça. C'est génial. C'est vraiment un modèle très sympa, très joli. Et par contre, il faut faire attention quand on est abonné à SFR, puisque la 4G chinoise ne supporte pas les 800 MHz. Elle ne les supporte pas. Non, elle ne veut pas les voir. Elle ne veut pas les voir. C'est vraiment, c'est elle terrible. Déteste ça. Non, mais c'est vrai, elle déteste ça. La 4G 800 MHz. Quelle horreur. Alors que c'est tellement agréable. Mais c'est ça, c'est la meilleure. Ouais, hein, franchement, moi, je ne sais rien. Et du coup, quand donc, on est abonné. Pas de 4G chez SFR avec son téléphone. Parce qu'il n'y a pas que du 800 MHz. Il n'y a pas que du 800 MHz chez SFR. Il y a du 1800, du 2600. Massivement. Et voilà. Ça sera un petit peu délicat. Le problème, c'est qu'Orange aussi développe du 800 MHz. Ils en ont aussi, mais un peu moins que. Ça veut dire que parfois, on ne va pas capter de la 4G alors que d'autres téléphones la capteront. C'est ça. On sera en 3G, mais ouais. Pas en 4G. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est comment le prix à payer, voilà. Voilà, voilà. Pour avoir un téléphone deux fois moins cher que les modèles concurrents. Lucien nous demande, est-ce qu'il y a une carte SD sur ce Xiaomi? Alors non, c'est une mémoire de 64 gigas et effectivement, il n'y a pas d'emplacement de carte SD. Petit point faible. Oui, tout à fait. Bon. On fera avec le cloud. Hein. Alors oui. ça c'est le premier produit Xiaomi. Mais Xiaomi n'a pas terminé. Non, et Xiaomi non. Était Xiaomi aussi dans l'actu là, cette semaine. Nous surprend cette semaine. Alors, avec quoi? Avec un drone. Un drone? Oui, et c'est un drone 4K, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est intégrée, une caméra circulaire qu'on peut diriger directement d'une télécommande et avec une définition 4K, et donc il fait des images vraiment, on imagine qu'ils vont être superbes. Alors on devrait le voir, là, par rapport à d'autres drones qui alors, ont des... Alors, on en est où aujourd'hui? C'est un truc qui a été annoncé. Ça a été présenté là, cette semaine. Ouais. Ça sera, on va dire, déployé en version bêta à partir de juillet. Et on imagine que ce sera disponible plutôt à partir de la fin de l'année. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là concurrence des modèles comme le Phantom de DJI, qui est notre marque chinoise également. C'est des modèles qui sont en général vendus autour des 700-800 €. Et là aussi, Xiaomi casse les prix, puisque le drone qu'ils ont présenté, le Mi Drone, donc, sera disponible à partir de 400 €. Donc là aussi, encore une fois, moitié prix, comme pour le smartphone qu'on vient de voir. C'est du moitié prix. Et pourtant, c'est incroyable. Voilà, vraiment, c'est à chaque fois, ils arrivent sur un marché et ils cassent les prix. On dirait un plat raquette un peu, hein, quand même. Un plat raquette. Oui, c'est quadricoptère. Hein, donc vous avez les quatre. Et tu fais bouger on peut faire bouger la caméra. Ouais. On peut le programmer pour faire des vols stationnaires pour justement capturer tout le paysage qu'on a autour. On peut le programmer pour faire des parcours différents selon. Ça, c'est super. Ça, c'est génial. Mais il ne va pas suivre, il n'a pas la fonction de suivi, par exemple, qu'il y a sur certains drones haut de gamme. Il y a Henri Cédoux qui est pas loin, là. Je discutais avec lui tout à l'heure, je vais aller lui dire c'est fini. En plus, tu sais, une fois, on lui en avait parlé, il nous avait dit non, c'est pas bien. Et puis, il était parti comme ça d'un coup. Bon, après, peut-être je pense qu'il prévoit un truc quand même. Comme c'est Xiaomi, c'est pas encore distribué en Europe. On ne sait pas si ça sera distribué en Europe. Donc, ça se trouvera effectivement sur certainement en importation, mais ça ne sera pas aussi simple que... Mais j'en ai vu plusieurs, moi, au salon CES Asia de Shanghai, où j'étais là, il y a 10 jours à peu près. Et c'est vrai que c'est une vraie tendance, ces petits drones, assez bon marché. Voilà, c'est celui-là que j'avais repéré, avec une petite caméra, pareil, qui peut pivoter, qu'on télécommande depuis l'application du smartphone, sur smartphone ou tablette. Mais qui sont plus pour faire des selfies, enfin des selfies ou des films de groupe quand tu es en famille, etc. C'est plus fait pour ça, ces petits drones. Après, tu fais vraiment le drone, c'est un truc qui est tellement ouvert. Ouais, tu peux avoir des tas d'applications différentes. Je veux dire, si tu es photographe, agriculteur, voyeur, etc. Chacun y trouve son bonheur d'une manière différente. Bonjour à tous les voyeurs. Le Xiaomi est là en 4K en plus. Vous allez voir, vous allez mieux voir encore, hein, parce que là en 4K, ça dépote, hein, les amis. Franchement, ouais, c'est forcément. Top. Très bien, on va terminer avec un dernier petit gadget, j'allais dire gadget. Ouais, c'est un petit gadget, mais voilà. Qui est assez sympathique. Mais qui quand est même. Assez sympa. Ouais, tout à Il faut fait. Savoir que Jean-Sébastien Zanqui adore la musique. Oui, c'est le genre de gars à aller voir Radiohead deux fois quand ils sont en concert, deux fois d'affilée dans le. Oui. Voilà, c'est ça. C'est l'intérêt, hein, faut les voir. Voilà, deux fois. Je raconte un petit peu ta vie. Oui, privée, non, bien sûr, mais bon. Voilà. Pas de soucis. Et donc, tu es un fan de musique et tu as testé un petit appareil qu'on va clipper en fait sur n'importe quel casque et qui permet quoi? Alors qui permet en fait de spatialiser le son de son casque. C'est-à-dire c'est conçu par une start-up française d'ailleurs qui s'appelle 3D Sound Lab qui avait sorti il y a un an un casque qui avait cette fonction-là. C'est-à-dire que sur le casque, il y a des capteurs de mouvement
Ce casque est relié en Bluetooth avec son smartphone, par exemple. Mm-hmm. Et quand on écoute, ou avec son ordinateur Windows, parce qu'il y a des pilotes Windows et une application iOS, et quand on écoute, par exemple, de la musique, quand on regarde un film sur sa tablette, ou quand on joue sur son PC un jeu vidéo, le casque est donc maintenant ce module, puisque ce module intègre les capteurs de mouvement du casque, permet de savoir où se trouve la tête par rapport à la source, on va dire simulée, de son qu'on a en face de soi. Donc en fait, c'est comme la réalité virtuelle en image. Mais c'est un peu ça. La tête, le son. C'est un peu ça. Voilà. C'est comme si on était face à des enceintes, par exemple, quand on écoute de la musique. D'accord. Et quand on tourne la tête vers la droite, on sent le son qui passe dans l'oreille gauche, et ça fait comme si on avait le son qui venait en façade. Et en plus, il y a une sorte de spatialisation aussi tout autour, qui quand même a une meilleure immersion dans la musique. Donc, est-ce que c'est fait justement pour la musique, parce que ça, est-ce que ça a un sens de spatialiser la musique en fait c'est sympa pour tout ce qui est live. Fois, c'est une bonne question. Pour les disques. J'en ai une pendant cette demi-heure, les amis. Yes, c'est bon, je peux y aller. C'est une très bonne question, mais justement pour tous les albums en live, par exemple, ou quand on est en concert, on a l'habitude vraiment d'avoir le son qui nous arrive devant soi. Voilà, on n'en prend pas la gueule, on est là. Et donc pour ces concerts enregistrés, par exemple, ça c'est vachement sympa, puisque on a vraiment l'impression de se retrouver un petit peu face à la scène. Ah oui, et c'est pareil quand on est en train de regarder un film sur sa tablette. En général, c'est un petit peu triste, on est sur un petit écran, tout ça. Et ça permet d'être comme dans une salle de cinéma. Donc, c'est vraiment très sympa. Mais il faut que le son soit adapté au départ, à la source. Non. Ou bien. Alors, en fait, on passe soit sur Windows, c'est un driver. Donc, on peut utiliser n'importe quelle application. Donc, ça va être de la musique d'iTunes, ça va être on va regarder un film sur VLC, on va jouer à un jeu vidéo. Pour les jeux vidéo, c'est vraiment très sympa aussi. On peut entendre les pas d'un ennemi qui arrive, quelque chose comme ça. Et ensuite, sur smartphone, c'est que sur iOS. Et là, c'est un player audio et vidéo. Et il faut passer obligatoirement par ce player. Ah, donc, bye bye Spotify, Deezer, alors, tout ça. Voilà, c'est un petit peu contraignant quand on est abonné effectivement à des services de streaming. Il faut passer les utiliser. Par le service d'Apple et par Apple Music avec la musique, etc., alors, qui est dans le player. En fait, alors, c'est ça. En fait, on transfère ces morceaux depuis iTunes sur son téléphone. Et donc ce module maintenant va être dispo là à partir de juin, et il coûte seulement 99€. Il s'adapte à tous les casques. Tous les casques. Voilà, n'importe quelle marque. Il y a un petit système d'élastique. On l'a dit, je crois. Ouais, c'est français. C'est fabriqué en France. Mmh. Il tenait également à préciser ça lors de la présentation. Et donc ça permet d'avoir des fonctionnalités à un casque qui était vendu 250€. D'accord. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue là. Super. Fabriqué en France, pas en ce moment, parce qu'ils font grève. Donc non, je plaisante. C'était tentant. Non, c'est vrai que c'était tentant. Jérôme, t'as plus d'essence, toi. C'est fini. T'es venu à. Non, il va falloir que tu me ramènes. Que à je la te maison, ramène à la maison. Que je pousse la voiture pour rentrer. Eh oui, c'est ça aussi. Ouais. Non, écoutez, voilà. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanqui. Merci beaucoup. Avant de nous quitter. Un dernier point sur le sondage. Zéro net orange. Faites-vous confiance aux startups en matière d'innovation? Réponse oui à 77%, les startups ont la cote, véritablement. Très bien. Eh bien, vous êtes d'accord avec nous et c'est plutôt positif comme résultat. Jérôme, on a terminé ce 01 Live Hebdo. 01 Live Hebdo spécial, on vous l'a dit, nous étions donc en direct de la BPI France à Paris pour la remise des prix Startup, Fnac et Intel. Et puis, et donc les trois start-upers avec leurs trois innovations là, qui sont en préparation à retrouver si vous avez raté le début. Dans le replay, évidemment, le replay de ce 01 Live Hebdo dans quelques minutes. Merci de nous avoir suivis à cet horaire un peu particulier, puisqu'on a une heure en retard. Et on se retrouve, bien sûr, vous le savez, chaque jour sur 01net TV pour toute l'actualité high-tech. Portez-vous bien et très bonne soirée. Merci Jean-Sébastien, merci Jean-David Duarte et Pierre Romiret. Pierre. Ah là là. J'ai fait un mix. Hein non, Pierre Thiolin, c'est Pierre Thiolin. Ouais. Il est là. C'est lui qui faisait la réal. C'est son cerveau qui est en grève aussi un petit peu. Ouais. Bonne soirée à tous.